Voilà moins d'une semaine qu'elle a été nommée ministre de l'intégration en Italie et déjà Cécile Kayenge doit faire face à un déluge d'insultes racistes. Cette ophtalmologue congolaise d'origine est la première femme noire à obtenir un portefeuille ministériel en Italie, ce qui n'est pas du goût de certains parlementaires et militants d'extrême droite. Io non sono di colore, io sono nera. Je ne suis pas une femme de couleur, je suis noire. C'est important de le dire et je le répète avec fierté. Nous devons faire tomber ces murs. Ne pas connaître l'autre rend méfiant et augmente les discriminations. L'immigration est une richesse, les différences, une ressource, a déclaré la ministre. La Ligue du Nord se déchaîne contre Cécile Kayenge à l'Assemblée, à la télévision et sur Internet. Outre sa couleur de peau, ce sont ses idées qui sont fustigées, la ministre souhaitant que la citoyenneté italienne soit désormais basée sur le droit du sol. Au-delà du racisme, le machisme empoisonne aussi la vie politique italienne. La présidente de la Chambre des députés s'est dit-elle victime de menaces sexistes.